Bonjour à toutes et à tous, mes minous et mes minettes. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Fire Emblem Passage of Radiance pour le chapitre 18, Crimea Avance. D'ailleurs, j'avais pas remarqué, mais pendant un certain temps, pendant un certain nombre d'épisodes, j'étais resté au chapitre 17, je m'en étais même pas aperçu. Mais bon, on va continuer. Cathédrale de Ménal. Vous avez fait de l'excellent travail, Ike. Grâce à vous, la blessure dont souffre Bennion depuis tant d'années peut enfin être soignée. Comme promis, Bennion va contribuer à la restauration de Crimea. Cependant, le Premier ministre Sephiran n'est toujours pas revenu, ce qui limite les renforts que je peux fournir. Ceci étant dit, vous pouvez déjà partir avec les troupes disponibles. Elles feront tout ce que vous leur demanderez. Ah oui, tout? Je comprends, merci. C'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas, Votre Altesse? Oui, en effet. J'ai pris conscience d'une chose essentielle. Notre pays a besoin des Laguses. Ah! Elle s'est reconvertie. Tu veux devenir ma minette? Je sais maintenant que les Béorques et les Laguses ont besoin les uns des autres pour survivre. Ça veut dire qu'elle ne le savait pas avant, mais bon. C'est ce qui s'appelle l'évolution, j'ai envie de vous dire. On peut lui pardonner. La précédente apôtre, ma grand-mère, rêvait, comme mon père, d'un monde où les deux espèces vivraient en harmonie. Votre Altesse, votre père, le roi Ramon de Criméa, était un pionnier de la coopération Béorque-Laguse. Dans un avenir très proche, je donnerai quelques suggestions au Sénat impérial pour qu'ensemble, nous créions une société totalement harmonieuse. Ça me semble un peu trop utopique pour être réel, mais sait-on jamais. C'est une route qui sera difficile à parcourir, mais je n'ai plus la force d'ignorer ce problème. La force d'ignorer ce problème. Votre Altesse, vous devez reconstruire Crimea. Quand ce sera fini, nous joindrons nos forces aux vôtres et ensemble, nous changerons le monde. Votre Majesté, votre vision du monde surpasse mes rêves les plus fous. Ah, dans ce cas-là, tu devais pas rêver de grand-chose, hein. Mon père aurait été comblé de joie s'il vous avait entendu. On dirait que vous n'avez plus besoin de moi. J'attendrai dehors jusqu'à ce que cette conversation soit terminée. Non, attendez. Je n'en ai pas du tout terminé avec vous. Quoi? Qu'est-ce que j'ai encore fait? Comme à l'accoutumée, vous manquez de patience et de bienséance. Écoutez-moi, Ike. Si vous devez diriger l'armée de libération de Crimea, nous devons vous octroyer un titre plus approprié. S'il s'agit de faire de moi un aristocrate pompeux, je ne suis pas intéressé, merci. Ce n'est vraiment pas ma tasse de thé. Personne ne vous a demandé votre avis. Confier à un mercenaire inconnu le commandement des troupes de Bennion risque de poser quelques problèmes. Et surtout, cela perturberait les troupes. Il vous faut vous faire une raison et accepter votre nouveau statut. Comment? Non, attendez, c'est absurde. Zut, c'est du n'importe quoi. Je suis désolé, si vous y êtes totalement opposé, je chercherai une autre solution. Non, l'apôtre a raison. Que suis-je censé faire à présent? Porter une coiffe et des collants? Pourriez-vous me prêter votre épée? Je vous remercie. Puis-je maintenant vous demander de vous mettre à genoux? Je vous remercie. Très bien, commençons. Au nom de la maison de Criméa, je vous sacre chevalier et vous confère tous les honneurs attachés à ce titre. Levez-vous, monseigneur Ike. Ah ouais, d'accord. Je me souvenais plus, mais effectivement, c'est comme ça qu'il passe son statut.
La musique est de toute beauté, n'empêche. Classe. Ouf. Ouf. Ouf, 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 les statues. La montée de niveau qui fait plaise. Voilà. Quelle drôle de sensation. Bah, tu m'étonnes avec le level up que tu viens de prendre là. Ah, votre nouvel habit vous va comme un gant. Je suis entièrement d'accord. Oui, bon, l'avis des personnes sur vos habits importe peu, on va dire, hein. Tant que vous vous sentez bien dedans. Oui, je trouve aussi. Si vous le dites. Mais ne croyez pas que ça va changer quoi que ce soit. Au moins, il retourne pas sa veste. Il reste fidèle à lui-même. La région ouest de Benyon abrite une vaste forêt. C'est dans ces bois que le royaume de Sérénès a jadis été créé. Ce royaume était dirigé par la tribu des Hérons du peuple oiseau. Après le massacre de Sérénès, cette forêt a commencé à dépérir. Certains ont commencé à dire qu'elle était l'expression du chagrin de la déesse. Pendant 20 longues années, tous les croyants de Bénion tremblaient de terreur et de honte à cause du crime qu'ils avaient commis. L'impératrice de Bénion, l'apôtre Sanaki, s'est imposée comme la représentante de tous ses concitoyens de la galaxie. Non, je déconne. À genoux devant la princesse et le prince des Hérons, elle s'est excusée au nom de son peuple. Il ne s'agissait pas d'un échange entre deux nations, mais entre des voisins vivant sur le même continent. Ce massacre était impardonnable, mais la haine n'a jamais été une solution. Et si personne ne rompt ce cycle infernal, la page ne pourra pas être tournée. C'est parce que les Hérons ont tenu compte de ce fait qu'ils ont accepté les excuses de l'apôtre. Ça se tient. C'est ainsi que la forêt de Sérénès a pu retrouver sa gloire passée. Ah ouais, elle est quand même vachement grande, n'empêche, la forêt. Ainsi, en guise de paiement pour les services rendus par Ike, la princesse Elincia se voit repartir avec un régiment de soldats de Bénion. Ouais, pas trop non plus, hein, parce que l'XP, voilà, c'est précieux. Bien que roturier, Ike reçoit un titre nobilitaire, enfin nobiliaire. De plus, il est chargé du commandement d'une armée. Alors que les premières neiges de la saison sont en train de tomber, Ike doit assurer le commandement de l'armée de libération de Crimée. J'aime bien comment il dit Ike encore, enfin le roturier Ike, voilà quoi. Il l'a conduit jusqu'aux montagnes escarpées servant de frontière naturelle entre Bénion et Daen. La rébellion arrive. Criméa avance. Ils ont donc quitté Bénion, n'est-ce pas? Selon notre espion, ils avancent avec un régiment de l'armée de Bénion. Ils projettent de traverser Daen par voie terrestre pour atteindre Crimea. Ha! Ils ont l'intention de couper par Daen.
avec un simple régiment dirigé par une bande de misérables mercenaires. Le fils de Gawain est à la tête de cette cohue. Non? Comment assume-t-il l'héritage de son père? Pfff. Ce n'est qu'un enfant. Il n'est pas encore digne du nom de son père. C'est décevant. Bien que son style à l'épée soit grossier, il se dégage de lui une aura mystérieuse. Les gens semblent s'attacher très vite à lui. Je ne parle pas seulement de l'apôtre. Il a aussi gagné la confiance des survivants de Cérénès et du roi de Phéonicis. Les Hérons sont vivants. Il semblerait que deux membres de la famille royale aient survécu. Regardez le festin que l'on est en train de nous préparer. Amenez-moi-en, peu importe lequel, et je veux aussi le médaillon. Vos désirs sont des ordres. Une fois que nous aurons longé cette grande muraille, nous serons à Daen. Regardez là-bas, sur le toit du bâtiment. Les wyvernes de Daen font la ronde. Ils ne vont pas être contents de nous voir. Dites-moi, Aek, vous êtes-vous déjà battu contre ces chevaliers wyvernes? Rarement. J'ai l'impression que les corbeaux de Kilvas ont été mes ennemis les plus redoutables. Vous changerez d'avis une fois que vous serez face à de vrais chevaliers wyvernes. Que voulez-vous dire? Je ne suis pas en mesure d'évaluer la force de ceux que nous voyons ici. Toutefois, je connais une autre unité affectée à la garde du temple de Bénion. Ils avaient leur raison de partir, mais il est essentiel de se souvenir qu'ils sont excessivement puissants. Je comprends maintenant pourquoi l'apôtre a insisté pour que vous nous accompagniez. Oui, les chevaliers Pégase ne craignent pas les unités Wyvern. Nous connaissons le ciel aussi bien qu'elles. Je préfère garder les pieds au sol. Merci. Puis-je vous charger les manœuvres aériennes? Bien entendu, nous allons œuvrer pour l'honneur des gardes sacrés de l'apôtre. Ça en fait du texte, n'empêche. Ike, voici le rapport de notre dernier combat. Oups, je l'ai passé sans... Excusez-moi. Mais non, à mon avis, on a dû perdre une unité, je pense, si je me souviens bien. Alors, équipement déjà. Parce que les niveaux équipement, il va falloir se refaire. Alors, échange. Boyd. Boyd, niveau achète. On va refaire l'équipement. Titania, on peut lui donner la hachette. Ça peut lui servir. Kieran. Griffe. Ah, en sachant qu'il y a des. Inferno, il le garde. Voilà, il y a ces trucs-là. Là. Lance-argent, quand même, hein. C'est. Une lance-argent. Est-ce que... Non? Ah ouais, à ce point-là. Mais la lance-argent, il n'y a personne qui va l'utiliser, quoi. C'est ça? Ah non, mais c'est ouf. Bon, et la lance létale, alors? Ah. Ah. Quand même. La lance létale, elle passe. La lance acier, on met les pieux à la place. Ouais, niveau lance, on n'est pas... Voilà, on n'est pas très bien fourni, hein, on va pas se le cacher. Donc, la lance argent, pour le moment, on va le donner. Emplette, vendre. Ça, on vend, je suis désolé, mais ça servira plus à grand chose. Alors, griffe, Kieran, il est bon, on va dire. Ouais, ça va, il est bon. Titania, elle a ce qu'elle a. Marcia, ça peut aller. Juste. Pour Marcia, j'ai bien envie de lui filer une lance de fer, mais vous savez quoi, on va lui donner une lance d'acier à la place. Voilà. Elle est équipée comme il faut. Nefeni, elle a ses armements. Tout est bien. L'épée de fer. Convoi. La lame royale.
Ah oui, c'est vrai qu'il a aussi la lame royale, Ike. Bah, il va la garder sur lui. Arc d'acier. Ah, il y a Soren qui a besoin d'emplettes. Attends, what? Il y a des choses qui se valent aussi cher? Ah ouais, à ce point-là. Alors, magasin. Non. Oh, il y a des choses. Il y a une dague? D'accord. Tempête. Ouh, attendez, 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 attendez. Alors, tempête, j'ai bien envie de l'acheter. Et foudre éclair. Oula, attendez. Il y a pas mal de trucs quand même, hein. Foudre, normalement, je peux l'utiliser. Bon, je sais pas, on va le donner à Boyd. Oh, c'est bon, ça devrait suffire. Alors, échange. Boyd. Inferno, pour le moment, il peut pas l'utiliser, donc bah. On va le donner. Où est-ce qu'il est? Atomode. Ah, lui, il peut, par contre. D'accord. Le mage a l'air plus expérimenté qu'il n'y paraît. Quant à Mist, son soin, on va le vendre. Ou alors non, non, on va pas le vendre. On va en acheter un autre. Voilà, on va juste en acheter un autre. Voilà, pour l'équipement c'est bon. Enfin, j'imagine. Normalement c'est bon, voilà. La gestion d'expérience. Alors, pour le peuple félin, ça ira comme ça. Ils sont assez cheatés comme ça, je veux dire. Allez, un petit peu d'XP à Soren quand même. Oh, et puis vous savez quoi? Soren. Soren, attends. Hein. Attendez une seconde. Équipement. Convoi. Soren. Non. Ouais. Alors, on a deux magistères. Et on n'a pas de... on a que deux magistères. Ok, alors, très bien. C'est dommage. On n'a vraiment rien d'autre. Ok, d'accord. Vous savez ce qu'on va faire? Sans point d'expérience pour Soren. Ah, lui aussi il va être badass. Ouais, ça va, ça passe. Non, vous imaginez, ce serait de l'expérience gâchée quand même. Ça serait con. Allez hop, changement de niveau. Bref, c'est pas énorme. C'est pas énorme, mais c'est toujours quelque chose. Alors, équipement. Non. Utiliser. Il est l'heure pour Soren de s'élever à un niveau supérieur. Je crois que c'est bien la première fois que j'utilise un magistère sur Soren. Bon, en même temps, ça fait qu'une seule fois que je joue à la. J'ai dû jouer une ou deux fois ce jeu. Ah oui! Alors, au niveau de la force, ça sert à rien. Mais quand même. Ah! Bah, bâton! Quand même. Bâton, un peu de respect.
Donc, ah bah d'accord. Donc, ce que je propose, Mist, ton bâton un peu pété là, tu vas m'en faire don. Voilà. Et puis Soren, bah, au revoir le feu de Soren. Voilà. Mist, elle va l'échanger à Tormod. Et sinon, on va continuer au niveau de l'exp. Oh, bon, bah, hop. Kiran, niveau supplémentaire. Ouais, c'est pour un point d'expérience, on va pas être radin hein, quand même. Et c'est une belle montée de stats qui plus est en plus. Là, on se prépare comme il faut. Je sais pas si la mission d'après elle va être longue, mais j'ai déjà fait des épisodes de plus d'1 heure, donc franchement, ça me dérange pas. Ouais. Allez, un level up pour notre cher Chevalier Pégase. Elle le mérite. Ah, ça c'est une montée de stack comme j'aime. Ça se fout pas de ma gueule, c'est bien. Ah, une petite montée de stats pour celle-ci aussi. Que 17 points d'expérience, c'est pas beaucoup. Et ça aide. C'est potable. En plus, c'est de la vitesse en plus, donc c'est bien. Néphénie. Ah! On va quand même leur donner un niveau en plus. Sait-on jamais? L'aile! Bon bah allez vous faire foutre. Si c'est pour avoir des level up de ce style. Non merci. Ah mais c'est du foutage de. Du foutage de charité. Je propose de monter Myst un peu plus en termes de niveau. Histoire qu'elle puisse combattre. Oh, défense, résistance. Pas mal. Juste avant de la monter. Ouais, non. Un level up en plus. On perd du temps un peu sur level up, tout ça, mais c'est important, c'est important. Ah! C'est pas énorme. Allez, un dernier level. Au moins level 18. Et le magistère derrière. Ok. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Du coup, équipement, Myst. Tu vas avoir l'honneur de monter de grade. Mais vraiment, il y a rien d'autre qui permettrait. Ah, ça, c'est pas mal, ça. Ça peut être pas mal pour permettre à Titania d'avoir la lance en argent. Parce que ce serait bien quand même de l'utiliser. Non, bah j'ai l'impression qu'on ne puisse pas. Tant pis. Allez. Ils sont radins quand même sur les objets de pour monter de rang. Parce que là, des magistères c'est bien, mais enfin voilà quoi. Y a pas que des magistères non plus. Oh ouais, d'accord. C'est Zelda sur Epona en fait. Ah non mais tranquille. Oh là là. Oh là là. Ok, d'accord. Et à part ça, les couteaux. Tu vas me faire croire qu'elle attaque avec des couteaux. C'est quoi cette arnaque? Je suis un peu deg. Genre, attendez. Vraiment?
Non. Alors, ok. Une épée d'acier, non. Un petit échange. Épée de fer. D'accord. Bah... Ok, hein, pourquoi pas? D'accord, Mist à l'épée. Moi, je l'aurais plus cru avec une magie blanche, mais bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, une petite emplette pour Ike. Une épée d'acier suffira. Normalement, on est bon. Donc, une petite sauvegarde. Voilà. Là, on est pareil. On est refait. Normalement, tout est bon. Dans le cochon. Ah, c'est... Non, c'est pas encore cette zone. D'ailleurs, ça me rappelle que cette zone-là, on ne l'a pas encore passée. Donc, il y a encore des niveaux à passer. D'ailleurs, cette zone m'a l'air assez longue à faire. Sire Raik, les préparatifs sont-ils terminés? Oui. L'ennemi ne sait sans doute pas que nous sommes arrivés si loin. Nous allons lancer une attaque surprise et essayer de prendre ces remparts d'une seule charge. S'il vous plaît, allez nous attendre au camp. Très bien. Ne vous inquiétez pas, nous sommes bien préparés. Et vous nous portez bonheur. Vous êtes gentil de dire ça, mais soyez prudent, Sire Raik. Cessez donc de vous en faire. Certes, il s'agit de notre premier combat dans une armée, mais nous avons affronté Daen maintes et maintes fois. Nous allons gagner. Après tout, je ne peux pas perdre mon premier combat dans la peau d'un noble, n'est-ce pas? Je vois. Enfin, je crois en vous et je sais que ce sera vous le vainqueur. Revenez-nous sains et saufs. Cette phrase est d'un niais, mais bon, c'est ça qu'on aime. Est-ce que tout le monde est prêt? En avant! Un instant, Sir Ike. Il y a quelque chose là, dans le ciel. Qui est-ce? Ah! Ah, Hike, je vous salue. On dirait que vous vous préparez à votre premier combat en tant que général de l'armée de Criméa. Et vous allez escorter ces deux hérons jusqu'à Phénicis, n'est-ce pas? C'était ce qui était initialement prévu, mais... Quelqu'un ici a insisté pour que nous vous suivions. C'est complètement absurde. Si vous voulez mon avis. Vous nous avez traités avec beaucoup de courtoisie, Béorc. Nous devons réagir en conséquence. N'est-ce pas, Lynn? Ah, mais elle, c'est vraiment que que ce langage-là qu'elle connaît. Vous appelez Ike, n'est-ce pas? Tout à fait. Vous nous avez aidés, ma sœur et moi, alors que nous courions un grand danger. Tous les hérons attachent une très grande importance à la courtoisie. Nous devons nous rembourser la dette que nous avons auprès de vous. Ce n'est vraiment pas nécessaire. Nous maîtrisons la magie Seid. Nous ne pouvons pas nous battre, mais nous savons comment décupler les forces de nos alliés. Si vous le désirez, je voyagerai avec vous. Ainsi, je pourrai à mon tour vous aider. Sérieusement? Bah oui. Vous avez eu de la chance de vous retrouver, enfin de retrouver votre sœur. Ne devriez-vous pas rester auprès d'elle? Lynn comprend mon geste. Je vois, dans ce cas, vous êtes le bienvenu. Je vous remercie. Je jure sur l'honneur de mon peuple de faire l'impossible pour appuyer votre cause. C'est réglé, alors. Et vous pouvez aussi compter sur mon aide, Janaf. Je suis là, votre majesté. Tu vas rejoindre l'armée de Criméa et protéger Raizon. Sans problème. Et toi aussi, Ulki. D'accord. Bien entendu. Tibarn, c'est trop. Je ne peux pas accepter. Vous vous occupez déjà de la protection de Lynn et de mon père. Ces 20 dernières années, je sais que ce n'a pas été facile pour vous de vivre à Phéonicis. Je suis juste navré de ne pas être en mesure de vous aider davantage. Tibarn, je vous remercie. Du fond du cœur. Votre Majesté, je protégerai Raizon du mieux que je pourrai. Lorsque Criméa sera sous notre contrôle, j'escorterai le prince Raizon jusqu'à vous. Je vous prends au mot. Vos actions ont établi un lien de fraternité entre vous et les peuples Faucon et Héron. Sachez qu'en cas de besoin, vous pouvez compter sur moi. À votre signal, je volerai à votre secours.
Oui, bon, quand même. Nous avons gagné un allié de marque au moment où nous attendons le moins, n'est-ce pas? Oui, Béorc et la Guse. Homme bête et homme oiseau. Il n'y a pas de différence entre nous. Enfin, nous arrivons à nous entendre. Oui, je crois que vous avez raison. Bien, c'est le moment. En avant, tout le monde! En avant, mes minous. Au niveau de la formation, est-ce que c'est important de changer quoi que ce soit? En sachant que... Ah, il y a Tanis, qui a une épée sonique sur elle. Ah, d'accord. Je vois. Et une brise-hache. Soit, ça peut être utile. Deux chevaliers faucons. D'ailleurs, chevalier faucon unité. Martial est level 10 aussi. Ouais. Alors. Il y a Kiran qui est un peu trop haut level. Donc, voilà. Il va rester un peu sur le banc de touche. Alors, formation. Au niveau de la formation, voilà. Qui c'est ça? Ah oui, c'est Myst. Bah, je la reconnais tellement pas. Voilà. C'est bien mieux ainsi. On va pouvoir enfin commencer la mission. Combattre. Eh ben, dis donc. L'armée de Chimera est donc arrivée. Il est temps de mettre nos plans à exécution. La section principale de l'armée de Kilvas va attendre en haut du sommet ouest. Un petit bataillon va rester ici pour vous seconder. Est-ce correct? Oui. Qu'est-ce qui a bien pu se passer par la tête de Sa Majesté? Pourquoi Daen s'allie-t-elle à une misérable nation de sous-humains? Je l'ignore. Nous ne pouvons pas espérer comprendre les pensées suprêmes du roi. Nous sommes juste capables d'exécuter les tâches de Sa Majesté, enfin que Sa Majesté nous a assignées. Oui, bien sûr. L'armée de Criméa ignore que nous observons tous ces mouvements. Bah, ces maudites vermines. Pour qui ce groupe de vagabonds sans expérience se prend-il? Je me moque bien de son talent. Leur commandant n'est rien d'autre qu'un jeune mercenaire atteint par la folie des grandeurs. Nous n'avons aucune crainte à avoir. À part le fait que tu le sous-estimes un peu trop. Nous allons leur montrer le vrai visage de la guerre. Les corbeaux de Kilvas, comment allons-nous les rapprocher? Ces satanés sous-humains. Ils nous serviront d'appât. Sacrifiez-les pour réduire le nombre de nos victimes. C'est une brillante idée. Alors lui, il aime vraiment pas les sous-humains. Assure-toi que nos hommes soient informés dans les détails de ces dispositions. Oui, monsieur. Hé, hey, toi, halte! Je ne connais pas ton visage. Ah, Shinon! Tu vas bientôt apprendre à le connaître. Espèce de rébus puant, baisse les yeux devant ton maître. Il a du courage, non? Est-il des nôtres? Oui, monsieur. C'est une recrue qui nous a rejoints aujourd'hui. Veuillez pardonner ses manières grossières. Si c'est un guerrier redoutable, je peux passer l'éponge pour n'importe quel défaut de caractère. Allez exterminer ces criméants. Faites en sorte que mes instants de gloire perdurent. Oui, monsieur. Ah, donc, Pff. Venez à moi, rébus de Criméa. Vous allez comprendre ce qu'il en coûte de s'opposer à la puissance de Daen. Ok, alors, il va falloir faire attention. Il y a Shinon dans leur rang. Ça rigole pas. Alors, il se transforme petit à petit. Alors, où est-ce qu'il est? Non. Shinon est... Oh, il a un arc héros, d'accord. Il risque d'être chiant. Et surtout, il a un déplacement de... Oh, il a un déplacement d'enfoiré. Hein. On va pas se mentir. Sept! Mouvement 7! Attends, mais c'est cheaté!
C'est le même mouvement que... Enfin... Après, il faut quand même que je le rappelle, ce Fire Emblem-là a des statistiques différentes des autres. Donc au final, ça ne m'étonne à moitié. Au niveau de Janas, bon, il a l'air plutôt fort, hein. Bon, ça va, ça le fait plutôt bien. Envoyer la troupe. Ah, on peut pas passer par là, dommage. On va éviter de trop faire l'andouille avec les unités volantes. Le héron peut vraiment nous être utile, hein, parce que doubler, renforcer la force, et pas doubler, pardon. Chanter. Ça servira pas à grand chose pour le moment. Ouais, vraiment. Il est fragile par contre, hein. Il faudra faire gaffe. Ouais. Brise hache. Ouais. On sait pas pourquoi il s'est déplacé jusque-là, mais bon. Soit. Ouais, pas mal. Pas mal, pas mal. Ouais, bon, lui, il va juste mourir. 33 PV quand même pour des soldats. D'où tu me touches? D'où tu me touches? Voilà, baisse les yeux. Manant. Ah, mais je les avais pas vus, eux. Bon, ils sont un peu loin, mais... Enfin, voilà, quoi. Je ne les avais pas vus. On va faire un truc marrant. Un truc très marrant. Voilà, je rigole rien que d'y penser. On va faire un truc super marrant. Je pense que vous avez deviné ce que je veux faire. Ouh, ça c'était beau. Il déconne zéro. On va faire un truc punaise de drôle. Juste pour troll, juste pour faire chier. Allez, Myst. Et... Ah, c'est moins drôle là du coup. C'est sérieux là? Oh, attendez, attendez, attendez. Attendez. Je n'ai pas dit mon... Quoi? Pardon? Alors, Raison, tu m'expliques? Ou alors, attendez. Non. Mais c'est quoi ce délire? Pourquoi je peux pas utiliser Raison? Ou alors, il fonctionne uniquement sur une unité qui est déjà... Attendez, on va faire le test avec, avec Rolf. Alors, est-ce que c'est ça? Ouais, c'est ça, en fait. Ah, mais en fait, c'est pour avoir un tour supplémentaire. Normalement. On va tester. Ouais, voilà, c'est ça. C'est juste pour... Je pensais que ça allait augmenter ma force, mais bon, soit. Bon, là, Arcassie, c'est bon. Eh, hein. Hey, mais ils sont balèzes. Hein. J'ai... Que 77 en précision. Bon, ça touche quand même, faut pas abuser. Ok, alors là, fini de jouer. Ça m'aurait bien me fait marrer, n'empêche, de le terminer avec Myst. Je suis deg. Allez, Ike. Va sur les devants. Ah, oh, sérieusement? Tu peux vraiment pas le finir. Même avec la lame royale, et bah tchè, c'est décevant.
Ils sont résistants. Oh, mais attendez. On va faire les choses dans l'ordre, hein. D'abord. Let, elle va aller le plus loin possible. Voilà, ça libère de la place. Attaque. Oh, ça se tente, hein. Écoutez. Allez. T'aurais pu attaquer une fois de plus, hein, il serait mort. Moi je dis ça se tente. Hein. Quand même. Allez. Autour de Miss de le finir. Ouais, achète. Pas les pieux, hein. Achète quand même. Achète! Ma merde! J'ai dit achète! Bon bah tant pis. Ok. Alors maintenant, on va y aller sans risquer quoi que ce soit. Alors, c'est mieux comme ça quand même, ouais. Allez hop. Ça va, ils sont quand même loin. Ils ont des lances d'acier. Et lui, il a un javelot. Au pire, j'ai Rolf. Ou alors, ce que je peux faire aussi, c'est d'envoyer les unités corbeaux vers eux. C'est une possibilité. Et en plus, il y a des coffres. J'aurais dû prendre Volk. Est-ce que j'ai des clés de coffre sur moi? Ok. Ah, j'ai une clé de coffre sur Muarim. 2. Il me sauve. Tu me sauves la vie, mon gars. Alors, comment l'ennemi va réagir? Ah! Alors, monsieur, attaque à distance. Manqué. Haha. Tu vas le regretter au prochain tour, ça. Quoi? Attends, mais ils sont quoi? Ils sont idiots ou ça se passe comment? Coffre. Ah, guérison, c'est pas mal. Ah, tant pis pour toi, hein, t'as qu'à bouger. Attends, mais même là, je le tue pas? Mais c'est ouf! Eh, ils ont. Soit ils ont trop de PV, soit ils ont trop de défense. Ah oui! Ah oui! Ça, c'était bien, ça. C'est du travail propre, comme j'adore. Voilà, meurt. Fulguration. Comme ma vitesse, elle est fulgurante. Roy vient de mourir. Dans cette timeline, il était mage. L'aile. N'empêche, niveau suivant bientôt. Hein. Bon alors, il suffira de faire attention. Pas s'approcher trop près. Je crois que je pourrais aller lui parler avec Titania. Je suis pas sûr, mais ça ne coûte rien d'essayer. Au niveau des hérons, hop, on va l'attaquer. Il reste là-bas. Non, pas ça, voilà.
Il se déplace pas loin en plus, le héron, hein. C'est un peu dommage. Ok. Bah d'abord, lui attaque. Avec son javelot. Ils sont pas mal modélisés, n'empêche, les chasseurs wyvernes. Venez, viendez. Ah, il me touche. Ça va, ça va. En même temps, c'est des piafs, hein. Tu m'étonnes que c'est un peu plus fragile. Mais je m'attendais pas à ce qu'il me fasse mal. Deux fois d'affilée? Ah, ça, tu l'as pas volé. Deux. Ah, il est vénère. Ah, il a pas aimé. What? Eh, hey, que font ces stupides corbeaux? Ils sont dans la même camp que Daen. Incroyable. Ils me trahissent, moi, ainsi que tous les Laguses. Naezala, lâche. À la simple vue, ils savent si c'est des ennemis ou pas. Juste... Ah, mais il est plus fort, en fait, En même temps, vu sa carrure. Bon, non, je le trouve moins classe que l'autre quand même. Vais te faire bobo. Et hop là. Alors juste que je revérifie. Voilà. Ça, ça va. Avec n'est pas ton... là qui n'est pas loin, pardon. On avance plus tout ou moins pareil. Renforcer. Alors j'ai pas compris. Pourquoi renforcer? Alors lui il a tornade. De niveau expert. Difficile à maîtriser. Ses effets sont dévastateurs. Bah c'est tornade quoi. Ouais. Et l'autre à côté? Juste lumière. Ok. Au final ça va pas être aussi long que ça. Faut tout décimer quand même. Blizzard, oula, 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 oula. Ouais. De longue portée, difficile à maîtriser. D'accord, alors lui. Si on fait pas gaffe. Ouais, bah de toute façon. Il nous a dans le collimateur. Donc ça sert déjà plus à rien. Allez hop. Non, t'as rêvé. Level up. Alors, alors. Nickel. Un beau level up. La suite.
Toi, on te finit. Tu es gênant. Alors, il se détransforme au bon moment, j'ai envie de vous dire. Allez hop, tour ennemi. Il y a les Zérons qui bougent, ouais. Mais à part ça, normalement, pas grand-chose. Alors, nous allons vérifier. Aïe! Force 9. Puissance 10. Défense 18. Ah, il va falloir, hein. Ah, je suis désolé, mais Ike, il va falloir qu'il se mette sur son chemin. Ça va pas être possible autrement, sinon. Ça va pas être possible autrement. On finit de bouger les personnages pour ce tour. Et on verra bien si Ike résiste à l'envahisseur. Lol. Oh, mais attendez, je crois que j'ai fait une connerie. Je peux lui mettre un deuxième tour en fait. Alors, je dirais pas que Ike va crever. Mais. Il y a des chances pour qu'il me fasse très mal. Alors. Eh, j'ai toujours su que ce moment arriverait, Ike. Shannon, en garde. Ouais. Au final, c'est une belle merde. Non mais Ike en même temps il est devenu un peu trop puissant. Manqué. Non franchement ça va aller. J'ai cru que ça serait compliqué mais au final pas tant que ça. Attends. Attends. Attends, attends, attends. C'est une grosse blague, c'est ça? Attendez une seconde. What? Attendez, c'est quoi ce délire là? Attendez. Ouais. Alors lui déjà, il va prendre pour son grade. Il l'a pris pour son grade. Alors là, je ne comprends pas. Peut-être que j'aurais dû lui parler en premier. C'est peut-être ça qui fait que... Je sais pas. Je ne sais pas. Honnêtement, on va essayer de mettre Soren. Enfin, de lui envoyer Soren. On verra bien ce qui se passe. Et un petit soin. Ok.
Niveau soin, maintenant, elle se débrouille très bien. Malheureusement, il va falloir tenter. Il attaque Ike encore une fois. Ah, vas-y, tente, hein. Tente rien à rien. Ouais, pas mal. Allez, allez. Mais j'ai l'impression que ça sera pas possible. Non. Ah! Shenon? Rolf. Shenon, c'est toi! Regarde-toi, tu as tellement grandi. Tu ressembles à un archer. Vraiment? Tu avais un énorme potentiel. C'est ce que je répétais toujours, tu surpasseras tes deux frères, et si tu t'entraînes comme il faut. J'avais un excellent professeur. En effet, tu n'as rien dit à personne, n'est-ce pas? Non, Motus bouche cousue, j'ai tenu ma promesse. C'est bien. Shinon, qu'y a-t-il? Es-tu dans le camp adverse? Oui. Arrête ça. Je t'ai appris à faire face à ce genre de choses. L'aurais-tu oublié? Mais ce n'est pas juste. Après ton arc, il est temps que l'élève affronte son maître. Ah mais c'est dégueulasse! Ah ouais! Ah ouais, Shinon! Bah écoute, viens pas te plaindre. Ah non, mais là pour le coup, je vais te dépecer vivant. Tu vas rien comprendre à ta vie. Et tu sais quoi? C'est Soren qui va se charger de ton cas. Tiens, tiens, regarde qui est là. Un petit garçon qui joue aux soldats. Comme c'est mignon. Ton travail a toujours été purement intellectuel. Tu es tout le temps caché sous la cape de Ike. N'ai-je pas raison, Soren? Shenon, tu as toujours été bête comme une oie, mais tu es un archer de premier ordre. Je te reconnais ce talent. Cependant, vu que j'ai énormément progressé, je te conseille de ne pas trop me sous-estimer. Ah, il faut tout le temps que tu te la ramènes, hein. Prépare-toi, mon petit bonhomme. C'est ce même bonhomme qui va t'écarteler. Eh, hey, deuxième service. T'es pas trop deg, hein. Oh, j'ai échoué. Quelle vie minable j'ai eue. Eh ouais. Fallait pas faire de peine à Rolf. Bah, brutive. Et on a eu un arc-héro. L'envoyer dans la réserve, bah oui, ce sera pour Rolf. On en fera un archer d'exception, même si on n'a pas de quoi le monter. Ce que je compte faire d'abord, mettre Ike ici sur le point de se faire guérir, voilà. Petite guérison, au calme. Je pense bien que l'épisode va être long, mais voilà. Je m'attendais à pouvoir la récupérer, Shenon, mais là, ça m'est égal. Qu'il crève. Alors. Ah, un silence. Je sais pas si un jour je l'utiliserai. Ah, il y a les enfoirés tout près. Un petit épieu? Non. L'ancétal, c'est suffisant. Allez.
Tu le sens venir là? Ah ouais, pas dans la tête, dans les couilles. Ah, il l'a senti. Il l'a senti. Et level up, j'ai bien fait au passage. Mais arrêtez de... Mais c'est quoi ça? Mais sérieux? Foutage de... Je t'en fous moi des points de magie. Mais Nawak. De où t'as vu qu'elle maîtrise la magie, Titania? Sérieux, c'est nappe. Il y a les corbeaux qui commencent à arriver. Bon alors toi t'as signé ton arrêt de mort. Moi bon, ça va, c'était bien. Oui, venez. Des renforts en plus? Ah, il régène des... Il régène des HP aux unités à laquelle il... Sur le côté, d'accord. C'est bon à savoir. Bon, les piafs, je les bouffe. Ah, ça va, il a rapporté pas mal pour Murarim. Ouh, une paire de coups. Alors, juste avant, on va s'assurer d'une chose quand même. Oh non, c'est tout bénef. C'est tout bénef. Ah! Alors, mine de rien, c'est plutôt dérangeant. Ah ouais. Je sais pas. Je vais d'abord. Combien de. Non, ça, zéro critique, on craint rien. Ouais, lui par contre, il va se faire saucer. Tu vois le gros épieux? Empêche, c'est une grosse arme. Non, on reste où on est. Nuage de fer, ça va. Hop. Alors, objet, non, ça va. Alors. Il est bientôt sur le point de se détransformer et l'être bientôt l'inverse. Alors on va les attendre ici. Mist de son côté, elle va aller les soigner. Ah, il est pas bête. Sale bête, notre pays a longuement été en conflit avec Galia, votre nation. Le moment de votre extermination approche à grands pas. Je pense pas, on doit encore conquérir le monde.
plaît-il? Pas mal. Plaît-il de nouveau? Ouais. Ah, ils sont déjà arrivés là. D'accord. Vas-y, Boyd. Plume-le. Ah ouais, d'accord. Ouais, une attaque. Visiblement, Boyd n'est pas assez fort. J'aurais cru. On s'occupe de lui. Avant qu'il se détransforme. Voilà. Oh, tout pile 15. Les cerfs, ça fait mal. Alors, avec quelle arme? L'épée. Ouais, ça va. L'épée d'acier, ça ira. Alors. Vas-y, Soren. Non, pas tempête non plus. Oh, quoi que si, allez, tempête. Autant faire d'une pierre deux coups. Est-ce que je peux. Genre, je peux. Hein? Je vois. Je vois, je vois. Bon, bah, il va falloir utiliser la manière forte. Oui, c'est bien mieux comme ça. On est d'accord. Ça fait mal, mais c'est le prix à payer pour te tuer. Je les ai laissés s'approcher trop près. En même temps, tu bouges pas. Et level up. Hein, mon gros. Alors, 2 PV, comme ça, au calme. Hein. Pas 1, 2. Ouh, c'est bon ça. C'est bon. Ah, c'est très bon. Alors, la lance laguse. Ah ouais, mais attendez. Ah mais du coup j'ai gardé les pieux. Je suis bête. Bon alors Boyd. Garde ta hache de fer, vaut mieux.
On va voir ce qui va se passer. Ah déjà il se transforme. Ah, ils font assez mal au final. Hein. 10 points. Même pas 11. 11 ou 12. En tout cas, il meurt. Alors, what? Ah, un arc en fer. Loupé. Ils essayent vraiment de d'attaquer à distance. Encore loupé. Ah lui, à mon avis, je pense qu'il va me toucher. Ouais. Javelot, épée. C'est à peu près sûr. Ah. Let, reviens dans la place. Pour défoncer des gonzo foirés. Ça suffira pas ça. Oh, alors celui-là est plus faible. En même temps, il a une hachette. Et ils manquent tous. Alors. Les corbeaux vont bientôt arriver. Qu'ils y viennent. J'ai des lance-laguses. Enfin, j'ai une lance-laguse. Je suis paré à toute éventualité. Voilà, des hérons en plus. Enfin, pas des hérons, des corbeaux. Ouais. Alors, la lance. Ouh! Tu l'as senti celle-là, hein? Tu l'as senti. Et il y a ces chevaliers qui vont m'emmerder. Inutile. Oh le fuyard. Oh le fuyard mon gars. Ah non mais tu vas pas t'en sortir comme ça. Hein.
Ouh, un point près. Ouais, t'as cru pouvoir m'échapper? Travail fini. Le L. Hop. J'ai seulement un seul d'ailleurs. C'est pas dégueu. Alors maintenant la suite. Lui va mourir. Ah non, c'est pas vrai ça. Elle a pas de force, Miss, c'est horrible. Ah mais c'est pour ça en fait qu'elle a des points de force, c'est parce que comment dire, quand elle évolue en classe supérieure, elle a une épée. Ouais, mais je trouve ça con quand même. Je trouve ça pas mal con. Descendant. Les derniers. Il y a celui-là en plus. Il attaque même pas Muarim, hein, c'est. Bah pour le peu d'expérience qui reste à gagner pour Titania. Je dis ça, mais non, ça va. On va tenter avec une hachette. Si tu le touches, t'as le droit de le tuer. Bon, bah, c'est fait. Alors, une belle montée de stats. Ah, il en reste encore un? What? Ah d'accord, ouais, c'est juste parce que je devais la déplacer. Général, nous avons pris le contrôle de tout le secteur. Ce qu'il reste des troupes de Daen est en train de se retirer. Général? Oh, très bien, merci. Permettez-moi de disposer, général. Général, hein, étrange. Tu sais que tu as toujours l'air tendu. Nazir, que se passe-t-il? Depuis quelque temps, je te trouve bien discret. J'ai été très occupé. Pour quitter Benyon, j'ai dû vendre mon bateau et renvoyer mon équipage. J'avais un tas de choses à régler. Vraiment? Eh, on dirait que tu as tout de même été mêlé au combat. Ça ne te dérange pas? Je sais que tu es déjà accablé de travail. Ce n'est pas pour rien que j'ai rejoint l'armée de Crimea. Personnellement, je gagne beaucoup en voyageant avec toi, alors cesse de t'inquiéter. Si tu le dis, tu es quelqu'un de très cultivé. Nous sommes contents de t'avoir avec nous. Je suis moi aussi content d'être avec vous. Bien, j'ai de bonnes nouvelles. De quoi s'agit-il? Les autorités de Galia ont décidé d'intervenir. Jusqu'à présent, ils avaient opté pour une attitude défensive. Elles se contentaient d'attendre. Mais on dirait que cette impasse infernale a fini par les exaspérer. Aïk, la victoire d'aujourd'hui a été décisive. Cette première étape marque la fin de la toute-puissance de Daen. Cette nouvelle va vite faire le tour du continent, et ainsi donner aux autres le pays le courage de s'opposer à Daen. Avec Crimea comme point de ralliement, Galia va peut-être entrer en guerre. Tu dois juste continuer de gagner. Si tu peux le faire, la route s'ouvrira juste devant toi. Nos faits et gestes marqueront l'histoire. Pouvons-nous réellement vaincre Daen? Est-ce que je peux y arriver, moi? Utilise ce qu'on t'a donné, et de grandes choses se produiront. Tout repose sur toi, Aik.
Actuellement, seuls quelques membres du peuple oiseau te soutiennent. C'est parce que tu étais résolu à gagner leur confiance que tu y es parvenu. C'est uniquement grâce à mon père. C'est lui qui m'a appris à tolérer et respecter mon prochain. Si tu traites les autres avec respect, ils te suivront de leur propre chef. C'est ce qu'il m'a appris. C'était un homme extraordinaire, n'est-ce pas? Lorsque j'étais plus jeune, mon plus grand désir était de devenir ainsi fort, aussi fort que mon père. J'ai ensuite voulu le surpasser. Aujourd'hui, je sais que c'est impossible. Comment? Ils ont passé la frontière? Tout le monde a été vaincu, pas seulement les troupes de Daen, mais notre brigade également. Coupé tel du blé dans un champ. Eh bien, je suis très impressionné. Après tout, ce sont des mercenaires, il n'y a rien d'autre à faire. Envoie un message aux dirigeants de Daen et dis-leur que l'ennemi est plus fort que prévu. À vos ordres. Attends un instant. Oui. Envoie plutôt un humain de Daen à ta place. Peu importe lequel, garde-toi d'utiliser l'un de nos hommes. Mais un humain sans ailes aura besoin d'une éternité pour. C'est le général Pétrine qui commande le front suivant. Elle est particulièrement caractérielle, mais vas-y si tu veux. Dis-lui que les corbeaux de Kilvas ont été vaincus. Elle te grillera comme un poulet et gardera tes os en souvenir. J'ai compris. Je vais envoyer un humain. Qui va là? Soren, que fais-tu? Qu'est-ce que tu mijotes? Pardon, j'ignore de quoi tu parles. Ne joue pas au plus malin avec moi. La décision de Galia de se joindre à cette guerre se base sur les récentes informations qu'elle a reçues, non? Tu as avalé ta langue? Bien, je vais te dire pourquoi tu es ici. Tu as mené la princesse de Crimea à Bennion pour voir si elle pouvait obtenir de l'aide pour sa cause. Et qu'elle obtienne assistance ou pas, tu voulais voir si elle était digne d'obtenir l'aide des Laguses. Ai-je raison? Puisque tu m'as démasqué, pourquoi n'as-tu pas mis les autres au courant? Parce que tes actions ont été bénéfiques pour la princesse de Crimea. Je t'ai laissé faire, car tes actions ne menaçaient pas la vie de la princesse. Et tu crois que ce n'est plus le cas aujourd'hui. Tu as accompli tes deux missions, mais tu es revenu quand même. Pourquoi? Je ne te dois aucune explication. C'est vrai, sauf si j'en parle à Ike. On a tous un ou deux secrets dont on ne souhaite pas parler. Et tu n'y fais pas exception, Soren. J'ignore où tu veux en venir. Oh, je suis sûr que nous nous comprenons. L'armée se lève tôt demain. Je propose d'aller nous coucher. L'ennemi savait que nous nous approchions. Et tu soupçonnes de les avoir informés? Oui. Oh là là, tu parles donc sérieusement? Bonne nuit, Soren. C'était plutôt bizarre cette discussion, mais bon. Ça fera avancer les choses. N'hésitez pas à me dire, oui, parce que l'épisode est terminé, ça se voit, et il sera assez long comme ça, j'imagine, à me dire en commentaire s'il vous a plu. N'hésitez pas à partager la vidéo autour de vous et à pousser. Quant à moi, je vous retrouve bientôt pour de prochaines nouvelles vidéos. Ciao, ciao, mes minous!